calcule la perte de poids observée lorsqu'on déplace une masse de 100 kg du pôle Nord vers l'équateur. Si la valeur de petit g au pôle Nord est égale à 9,83 newtons par kilogramme et la valeur de petit g à l'équateur est égale à 9,78 newtons par kilogramme. Donc voici de quoi il s'agit. Nous déplaçons 100 kg du pôle Nord vers l'équateur. Ce qui est donné, c'est d'abord la masse, 100 kg, et les valeurs du petit g au pôle Nord et à l'équateur. Ce que nous cherchons, c'est la différence des poids, c'est-à-dire le poids de cette masse au pôle Nord moins le poids de cette masse à l'équateur. Et pour trouver cette différence, nous utilisons bien sûr cette formule-là. D'abord, la masse au pôle Nord. Le poids de cette masse au pôle Nord est égal à la masse fois cette valeur de petit g. Ainsi, nous obtenons que le poids de la masse au pôle Nord est de 983 newtons. Et le poids de cette même masse, 100 kg, mais à l'équateur, c'est 978 newtons. Donc, la différence des deux poids est égale à 983 de là, moins 978 de là. La différence delta G vaut donc 5 newtons. La réponse finale à la tâche, c'est que la différence des poids, c'est-à-dire la perte de poids, est égale à 5 newtons.